Bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui pour parler du doudouk. Le doudouk, c'est cet instrument à vent à hanche double. C'est-à-dire que pour faire du son, il va falloir faire vibrer la double hanche que l'on met à l'extrémité du doudouk. Cela pourrait s'apparenter à un hautbois traditionnel qui nous vient d'Arménie, en Asie, juste entre la Turquie et la Russie. Le doudouk est très souvent utilisé pour accompagner les messes dans les églises chrétiennes d'Arménie. On l'utilise également beaucoup dans les musiques de films. Il est rare d'entendre un film avec une scène triste sans doudouk. C'est lui qui vient accompagner lorsqu'il y a la mort de quelqu'un, qui vient accompagner lorsqu'il y a la perte d'un être cher, ou lorsqu'il y a tout simplement quelqu'un qui s'en va, notre doudouk. On raconte qu'il y a un homme qui connaissait le plus beau secret du monde. Mais comme c'était un secret, il ne pouvait pas le dire. Alors il le gardait pour lui. Pourtant, lorsqu'il a senti la fin arriver, il a demandé à ce que son plus grand fils vienne près de lui. Et avant de pousser son dernier soupir, l'homme a confié son secret à son fils. Son fils, en entendant cela, a voulu sortir tout de suite pour raconter ce qu'avait dit son père à tout le monde. Mais son père l'a attrapé par le bras. Non, garde-le pour toi. Et toi aussi, plus tard, tu le transmettras à tes enfants, peut-être. L'homme est parti et le fils a grandi. Il avait toujours ce secret en lui, toujours dans sa tête qui tournait. Il avait tellement envie de le partager. Il avait même juste envie de le dire, mais il avait peur que, en le disant, quelqu'un passe à côté, l'entende et son secret disparaisse, soit perdu. Un soir, n'y tenant plus, il est sorti du village en courant. Il a couru vers le puits à la sortie du village. Et là, après avoir vérifié qu'il n'y avait personne à droite, personne à gauche, devant, derrière, il a dit son secret au puits. Et il est rentré chez lui, soulagé. Mais dans le fond du puits, il y avait l'eau. L'eau a trouvé le secret si beau qu'elle l'a chanté à la terre qu'il y avait autour. La terre qu'il y avait autour du puits a trouvé le secret si beau qu'elle a commencé à le dire aux racines des arbres qui poussaient en elle. Les racines trouvaient ce secret si beau qu'elles l'ont fait remonter jusqu'aux branches des arbres. Les arbres trouvaient ce secret si beau qu'ils se sont mis à le chanter au vent qui passait par là. Et le vent a emmené le secret avec lui, jusqu'aux oreilles d'un homme qui se promenait dans ce pays. Lorsqu'il a entendu ce secret, il a voulu savoir d'où il venait, qui avait pu lancer ça au vent. Il a remonté le vent, il a fini par arriver devant un bel arbre, un abricotier, magnifique. C'est l'arbre qui chantait le secret. Il a voulu le répéter, l'homme, avec ses mots à lui. Il a voulu le chanter avec ses mots à lui, mais il n'y arrivait pas. Cette mélodie était trop belle. Ce secret était trop beau. Alors délicatement, il a pris un morceau de l'arbre. Avec une branche, il a fait comme une petite flûte. Et avec deux bouts d'écorce, il a taillé deux anges. Et il a commencé à souffler.
Et c'est depuis ce jour que le doudouk est né. Et c'est depuis ce jour que l'on joue du doudouk pour essayer de retrouver ce fameux secret. Et essayer de retrouver le plus beau des secrets.